C'est parti, ici au stade des Martyrs de Kinshasa, la République démocratique du Congo. En bleu et rouge, accueille la Tunisie. Le pied gauche de Kakuta, ballon travaillé au deuxième poteau. Et le but ! Sur ce coup de tête qui semblait anodin de Chancel Mbemba, pas très puissant, mais bien placé avec l'aide du poteau. Le milieu terrain Newcastle qui enflamme le stade des Martyrs. Bedoui a glissé sur le côté droit et la charnière. Meria Ben Youssef, les Congolais qui combinent et le deuxième but. Le deuxième but du match. Il est inscrit par Paul-José Pokou, me semble-t-il. Après 2 minutes de jeu seulement dans cette seconde période. Et la joie des 80 000 supporters du stade des Martyrs de Kinshasa. Bakambu toujours, l'angle est fermé, la frappe du gauche, elle est captée en deux temps. Attention à cette hésitation. La frappe part à terre, elle est juste à côté. Reçoit le soutien de Ben Amor. Sekni toujours face à Moulumba. Le centre de Mahaloul. La tête au-dessus de Bedaoui. Elle est à Kolo. L'appel de Bakambu. Bakambu, l'angle est fermé. Bedoui. Repris par Kakuta. Non, il est passé face à Kakuta. Le retrait. La réduction de l'écart sur ce ballon détourné. C'est de la folie! De la folie ici à Kinshasa! Tunisien qui égalise! Quelques secondes seulement après le premier but, c'est Badri! C'est Badri qui vient reprendre ce ballon de volée! Inscrit le deuxième but des Congolais, la frappe et la barre qui vient sauver Matlouti! Peut temporiser, trouver Ben Youssef, poursuivi par Magoma. Ben Youssef, il est frais. Un bon ballon pour la victoire, peut-être pour la Tunisie! Qui évite le corner. Matampi, la relance compliquée avec Msekni qui frappe. Et c'est terminé. C'est terminé. Score final, 2 buts partout. Ici à Kinshasa, entre la République démocratique du Congo et la Tunisie. Les Tunisiens qui reviennent de très très loin. Ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 77e minute. Début de Mbemba à la 10e et Mpoku à la 47e pour les Congolais. Qui ont eu 3 minutes d'absence dans ce match. Ben Amor à la 77e et Badri à la 79e redonne de l'espoir et le point du nul aux Tunisiens qui gardent leurs 3 points d'avance.